Voilà, on va donc ouvrir la deuxième ruche. Toi. Le nourrisseur, un tout petit peu collé à la propolis. Énormément de monde sur cette deuxième ruche. Un petit coup de fumée pour qu'elle rentre dans la ruche, se gorger de nectar, calmer les alertes et ne pas les abîmer quand je vais lever les cadres pour l'inspection. Voilà, donc il est temps de poser la hausse. Voilà, toujours une fumée bien blanche, bien froide. On entend le bourdonnement. Et on est parti pour la visite. Donc là, on a un couvain qui est très beau. Avec, tout de suite, on repère des petits œufs. Donc, on est sûr que la reine est là. Ce qui est une très bonne chose. Si on voit des cellules royales, on les détruira afin d'éviter un éventuel essaimage. L'odeur est saine sous cadre qualitatif. On a des petites réserves de pollen, un peu de nectar qui est rentré ici. On voit les faux bourdons. Délicatement. Je vais regarder le cadre de rive qui normalement doit être essentiellement un cadre avec du miel, ce qui n'est pas trop le cas, il n'est pas lourd. Mais a priori, nous n'en avons pas de ponte sur ce cadre de rive. Voilà, on n'est pas encore sur le cadre de couvain. Je peux repérer la reine. Elles sont en train de se gorger de miel. Voilà, je décale les cadres. Toujours en levant délicatement. Là, il y a un beau cadre de couvain, complètement rempli de couvain. Également, homogène, rempli de couvain. Pas d'abeilles aux ailes déformées. Tout ça a l'air très bien. On voit des larves hein, au fond des alvéoles. Bon, on pourrait s'arrêter là pour la visite, juste contrôler l'éventuelle cellule royale. Moins on dérange une ruche, plus elle se porte. Petite larve. Pas de cellule royale. On va faire un petit coup de fumée. Donc on est pareil que sur la première ruche avec la nécessité de poser la hausse. Voilà, toujours. Est-ce que je vais avoir la chance de tomber sur la reine? Stocker du nectar. Voilà la reine. La reine qui est là. C'est une reine qui n'est pas marquée. Elle semble à un moment une reine de l'année.
la voit bien. Voilà, donc je vais pas la déranger plus. Hop, je vais faire en sorte de ne pas écraser la reine. Là, je regarde vraiment juste si la cellule royale, vraisemblablement, il n'y en aura pas. Bon, et puis la reine, on la marquera au prochain passage. Vu le temps, je ne veux pas les déranger plus. Ça se calme avec la fumée. Voilà, donc là on est sur 8-4 de couvain assurément. Encore du couvain là, encore du couvain, donc c'est une ruche qui a peut-être déjà 50 000 abeilles et qui pourra aller encore un peu plus loin. Ils ont besoin de 20 hectares. Là il y a des réserves de miel, pas de couvain, donc on est bien sur le 4 de couvain. Là, c'est la carte, le 4 de miel en rive. Et voilà, poser la hausse. Recaler les cadres. Et le toit. Pour la toubie.